J'ai une formation de chimiste, pas plus, au départ. Et je me suis trouvé, on pourrait dire au fond, embarqué un peu incidemment. Un peu plus fort, un peu plus près. Dans le domaine des ondes électromagnétiques. Je me suis trouvé embarqué dans ce domaine-là à partir d'un cadeau qu'on m'a fait. On m'avait fait cadeau de l'appareil de Lakowski. C'est donc ce que je parlerai. Je parlerai de ça demain. Bon. Mais ce domaine des ondes, évidemment, m'a entraîné après, par la suite, dans celui de l'eau. Pour quelle raison? C'est que Lakowski avait pris comme base de son appareil, un peu empirique à l'époque, hein, c'était pas encore très bien défini, la longueur d'onde de l'hydrogène galactique, 21 cm virgulaire. Bon, c'est-à-dire l'histoire de H2O, c'était pas très compliqué, et c'est-à-dire que l'appareil de Lakowski, au fond, était calé et se trouve calé sur un dipôle de Hertz de 34 cm, qui est celui de la longueur d'onde de l'hydrogène. Bon, voilà. Partant de là, bien évidemment, je vais reprendre la formule qui a déjà été dite, parce qu'on reprend toujours les travaux des autres. Hein, bon, on est rarement un grand novateur. C'est que, et pour mettre tout le monde d'accord, les maladies du corps, c'est les maladies de l'eau du corps. C'est très simple. Que ce soit traité par la médecine, on pourrait dire au fond officiel moléculaire, le choc des molécules, les infâmes bestioles moléculaires, bon, ou que ce soit par les médecines parallèles de quelque nature qu'elles soient, qu'est-ce qu'il s'agit quelque part de toucher au départ, c'est l'eau. C'est fini. Bon, alors, on va dire, dans un état de crise, c'est peut-être insuffisant. Pas dans ce que j'ai pu expérimenter. Par exemple, je vais reprendre encore une chose qui a été traitée ici. Bon, c'est l'eau excessivement pure. C'est-à-dire une eau qui va dépasser largement les 200 000 ohms de résistivité. Bon, ça c'est un premier aspect que j'ai découvert, donc en passant, avec différents personnages qui avaient fait des expériences avec ça, dont Louis-Claude Vincent, dont on a dû parler ici. Bon, et puis... aussi l'introduction dans l'eau de valeurs qui ne sont pas, ou qui n'étaient pas, puisque je vais parler un peu de médecine ancienne, bon, qui n'étaient pas à l'ordre du jour ou de la connaissance accessible par les anciens spagyristes, chamans, alchimistes, mais ils introduisaient dans l'eau des valeurs que tout le monde va saisir. Qui n'était pas très compliqué. C'est donc ce que je vais parler en gros ici ce soir. Alors, bien évidemment, en Occident, sans aller chercher l'Orient, qui est encore, c'est encore plus complexe, bon, la base, leur base de réflexion, c'était pas la science actuelle. Bien évidemment, ils n'en avaient aucune idée. Bon, c'était les textes sacrés. Donc, le premier texte sacré, c'était la Genèse. Alors, dans la Genèse, bien sûr, on va tout de suite voir quelque chose qui est le créateur avant que Yahvé apparaisse, c'est Elohim. Or, Elohim, c'est le dieu des eaux. Imi, c'est la masse des eaux. Donc, il crée au départ les eaux qui sont en haut et les eaux qui sont en bas. Et ça va inspirer une foule de chercheurs de ces époques-là, de praticiens, bien sûr, qui vont, autant faire se peut, faire une différenciation des eaux d'en haut et de celles d'en bas. Les eaux d'en haut, les eaux de rosée, les eaux de pluie, de neige, etc., etc. Et bien évidemment, ce qui se trouve au-dessus de l'eau qui gèle, la glace. Donc, il savait très bien, de toute façon, faire des mélanges réfrigérants qui, lorsqu'ils n'étaient pas dans des montagnes, qui glaçaient de l'eau, il savait faire des mélanges réfrigérants jusqu'à moins 10, moins 20, moins 30 à l'époque. Hein, bon. Donc, c'était la glace. Ça, c'était un premier aspect. Deuxième aspect qui les a beaucoup inspirés.